Yo no compito contra Cristiano, ni mucho menos. Another year, another records. Vida linda, sobre todo porque estaban en Madrid también y bueno, ahora están en un gran equipo también y lo vemos desde España. No, es... We shared the stage 15 years, me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same two guys in the same stage all the time. So, we not had a dinner together yet, but really? I hope in the future. C'est une histoire d'amour qui arrive à une rupture. Une histoire que vos fils ne vont jamais comprendre. Cristiano Ronaldo et Messi, les deux footballeurs qui ont divisé le monde en deux et semé la terreur en Europe pendant des décennies. Cristiano Ronaldo, 5 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or et 4 Coupes du Monde des clubs, un amour infini entre ce joueur et la chasse au trophée qui a commencé à la magnifique île de Madère. De l'autre côté, on a l'Argentin qui a surmonté toutes les limites en étant le joueur le plus titré de l'histoire, et je ne vous parle pas de n'importe quel titre, 4 Ligues des Champions, 7 Ballons d'Or, une Coupe du Monde, une Copa América et 4 Coupes du Monde des clubs. Mais vous savez, ce qui réunit ces deux joueurs, c'est la grandeur. Nous sommes le 23 avril 2008, le jour où Cristiano Ronaldo a compris qu'atteindre la grandeur est plus difficile que prévu. Car ce dernier a, pour la première fois, rencontré Léo Messi dans le rectangle vert. Ça, c'est le début d'une rivalité hors norme. À la fin de l'année, Ronaldo reçoit le Ballon d'Or et jure qu'il remporterait à nouveau le prix. Le 27 mai 2009, le deuxième affrontement entre ces deux grands, sauf qu'il y a une différence par rapport à la dernière fois, le poids de ces deux joueurs est devenu plus considérable en Europe. Messi, jouant dans un rôle central auquel il n'était pas habitué, afin d'éviter une bataille directe avec l'arrière-gauche de Manchester United, Patrice Evra, marque le deuxième but de Barcelone lors d'une victoire de 2-0 avec une tête à la 60e minute. Ronaldo est quant à lui maîtrisé pendant une grande partie du match malgré quelques premières chances de marquer et se montrera frustré. Ça, c'est une défaite que Cristiano ne va pas oublier. Pour lui, perdre n'est pas une option. Alors il décida de quitter l'Angleterre pour une nouvelle aventure avec les Merengues. Don Cristiano, portant toujours son numéro 9, est conscient qu'il a des grandes responsabilités maintenant et qu'il est obligé d'affronter le meilleur au monde. De 2009 à 2018, les deux se sont affrontés au moins deux fois par saison lors des matchs du Clasico. Dans ces 9 ans, Messi remporte 4 ballons d'or consécutifs, avec un 5e en 2015. Tandis que Ronaldo a repris la course avec 5 aussi, Messi reprend la tête en remportant son 6e ballon d'or, terminant à seulement 7 points d'avance sur Virgil van Dijk. Au total, Messi et Ronaldo sont montés sur le podium à 12 reprises chacun. Le monstre de la LDC, aussi nommé Cristiano Ronaldo, a collectionné 5 trophées aux gros oreilles avec un but légendaire contre la Juventus qui a laissé tout le monde choqué, tandis que son rival Léo a remporté 4 et nous a laissé des moments inoubliables dans cette compétition. Est-ce que c'est la fin d'une ère de football? Malheureusement oui. Est-ce que c'est la fin d'une rivalité qui a duré plus que 15 ans? Malheureusement oui. Notre belle histoire arrive à une fin. Merci pour tout. Ces bons moments.